Hogan, the greatest wrestler of all time. We're not worthy! We're not worthy! You got a spaceman, huh? No, actually, I'm a plumber. New World Order. Honestly, I can't go anywhere without getting a boner. How you doing? Alors, bonjour, bonsoir, vous écoutez le Wrestle Rock Podcast, émission spéciale ce soir, je suis Jonathan Drapeau et je suis toujours en co-animation avec mon ami d'enfance, Benoît Laferrière, a.k.a. Nostradamus. Comment ça va, mon Ben? Ça va très bien, puis c'est une belle opportunité qu'on a d'offrir à nos Wrestle Rock Stars, car il y a à peu près 15 jours, le 10 février dernier, ça faisait 20 ans, que la légende de Kurt Hennig, alias Mr. Perfect, est malheureusement décédé d'un overdose à l'âge de 45 ans, en 2003. Oui, puis à cette époque-là, on se souvient, mon ami, il y en a plusieurs qui en ont fait des overdoses. Hein. C'est pas né de la pluie, comme on dit. Puis, ouais, il n'y a pas juste dans la lutte non plus. Là. Non, effectivement. Et puis, le regretté Mr. Perfect, on a décidé de lui rendre hommage aujourd'hui. C'est une émission qu'on voulait réaliser là, il y a quelques mois, mais que ça n'a juste pas à donner, dans le fond, qu'on puisse vous le faire. Puis là, ben, on est en mesure de pouvoir avoir un peu de temps pour vous le faire. Donc, dans le fond, Kurt Hennig est né, dans le fond, le 28 mars 1958 à Robbinsdale, au Minnesota. Puis son père, il était... c'est un lutteur professionnel, hein, Ben? Ah, c'est oui, ça? C'est un lutteur de deuxième génération. C'est ça, dans le fond. Puis il luttait sous le nom de Larry the Axe Hennig. Kurt Hennig et Rick Rude, le Ravishing Rick Rude, qui sont nés dans la même ville, étaient des grands amis d'enfance. Un petit peu comme Raymond Rougeau, toi, Raymond Rougeau, puis Matt Lefebvre, c'est ça. Et puis, ils ont fréquenté les mêmes écoles, tout ça, la même... Et puis, ils sont devenus lutteurs. Ils ont eu une couple de chums, tu sais, Tom Zink, qui était dans Can-Am Connection, avec Ricky Martel, à WrestleMania 3. Il y a eu Brady Boone, qui était Battle Cat. Ouais. Tu sais, dans notre affaire des fameuses gimmicks bizarres. Ouais, ouais, ouais. Nikita Koloff, de son vrai nom, Nelson Scott Simpson. John Nard, de Berserker. Road Warrior Hawk et Barry Darso, Smash Ripo Man. C'est toute une gang de gars qui se tenaient ensemble. Ils allaient s'entraîner ensemble dans le Minnesota. Yes! Ça, et puis, dans le fond, Kurt Hennig, il a commencé à lutter dans les années 80, au début des années 80. Ouais. Et puis, connu sous le nom de Cool Kurt Hennig. Il a commencé sa carrière de lutte professionnelle le 30 janvier 1980. Un peu plus, c'était en 1981. tu penses à ça? Ouais, c'est ouais. Quand même autre. Dans la AWA, la fameuse American Wrestling Association, du grand Vern Gagné, qu'on parle souvent, ancien promoteur et lutteur professionnel. Disons que cette fédération-là avait pas mal mis son père, Larry the Axe Hennig, sur la map. Là. Ah, tout à fait, tout à fait. C'est ça. Puis, fait que dans le fond, le premier passage de Kurt Hennig à la WWF s'est fait, dans le fond, dans la période de 1981 à 1983. Ouais. Et puis, Hennig a commencé sa carrière à la WWF en 81, dans le fond. Contre Johnny Rods. Oui, c'est ça. Il a fait son premier combat contre Johnny Rods, puis il s'est imposé comme un jeune lutteur ayant du potentiel contre des lutteurs comme Playboy Buddy Rose, Rick Dammer Valentine, Killer Khan. Finalement, il a été jumelé dans un match, un tag team, dans le fond. C'est-à-dire qu'en équipe avec un autre jeune catcheur ayant l'avenir, un bon potentiel, dans le fond, Eddie Gilbert, lui-même le fils d'une légende de la lutte, Tommy Gilbert. Est-ce que Eddie Gilbert, c'est pas le fameux Gilbert là, qu'on a vu interpréter la parodie de Goldberg? Non, ça c'est Dwayne Gill. OK, Dwayne Gill, OK. Non, c'est pas grave. OK. OK, là, après cette période, il a fait un passage à la Pacific Northwest Wrestling. En 82, Hennig a fait équipe avec son père, Larry the Axe Hennig. Ils ont remporté le championnat NWA Pacific Northwest en battant
Les champions en titre, Rip Oliver et Matt Bourne, qui a personnifié Dunk the Clown. Yes. Le 27 avril, pour leur perdre le premier match contre ses mêmes adversaires. Il a ensuite remporté les titres avec Buddy Rose le 5 novembre 83 et Scott McGee le 23 décembre 83 également. De 84 à 88, il a fait des apparitions occasionnelles pour la Fédération. Puis pendant ce temps-là, il a travaillé pour la New Japan Pro Wrestling et certains territoires de la NWA, notamment à Saint-Louis, la Central States Wrestling et la Continental Wrestling Association. Yes. Puis par la suite, dans le fond, après son passage de 84 à 88, il a fait un retour à la AWA de 83 à 88, dans le fond. Puis Enig est revenu, il est finalement l'une des plus grosses vedettes dans cette promotion-là, puis il a remporté le championnat du monde de la AWA face au défunt Scott Hall en battant. Il était champion par équipe. Avec Scott Hall. Avec Scott Hall, puis ils ont battu, dans le fond, Jimmy Garvin, puis Steve Regal le 18 janvier 86 au Nouveau-Mexique. Plus tard, il a repris sa carrière solo dans l'AWA, ce qui lui a porté fruit, car il a vaincu le légendaire Nick Bockwinkle pour le championnat du monde de poids lourd AWA à Super Clash le 2 mai 87 à Valleg avec l'aide de Larry Zbysko et en devenant heel. Enig, avec son père Larry Axe Enig, ont eu une longue feud avec Greg Gagné et son père Vern Gagné. Et puis, ils ont commencé à être associés à Madusa Miceli, celle qu'on a eue, dans le fond, en entrevue récemment. Oui, bien sûr. Et qui est Madusa, qui a sorti, d'ailleurs, son... Elle va le sortir le 27 mars, si je ne m'abuse. Oui. 23, 27, en tout cas. Puis, dans le fond, ça s'appelle « The Woman Who Would Be King ». Et puis, on vous invite à aller sur ecwpress.com si jamais vous voulez avoir son livre. Il est disponible sur Amazon aussi. J'ai mis le lien aussi quand... C'était sa fête le 9 février dernier. J'avais mis le lien dans notre site WrestleRock.news. Yes! Et puis, Enig et Madusa, ils ont rejoint The Diamond Exchange, un clan qui était constitué à cette époque-là, dans le fond, du manager DDP, Diamond Dallas Page, qu'on connaît bien, qui fait maintenant DDP Yoga, qui comprenait également Bad Company et le colonel de Beer. Bad Company, c'était pas les Orient Express à AEW? Je pense que c'était avec Tanaka. Sato peut-être, mais il me semble que Tanaka était là-dedans. De mémoire, il me semble que oui. Et puis, à noter qu'en 1987, il a été élu le lutteur de... Le Most Improved. Oui, c'est ça. C'est celui qui s'est le plus amélioré dans l'année selon le Pro Wrestling Illustrated. Puis là, faut pas négliger ce que je vais dire. Enig a détenu le titre AWA pendant un peu plus d'un an en battant Nick Bockwinkle, comme mentionné plus tôt. C'est ça. Avant de le perdre face à Jerry Lawler le 9 mai 1988. Il l'a gardé à peu près 400 jours. Comme beaucoup d'autres stars de l'époque, dont Hulk Hogan, Rick Martel, les Rockers, Shawn Michaels et Marty Jannetty, fallait que je le plug, bien sûr. Enig a quitté les W pour la WWF avec la promesse d'avoir un meilleur salaire et d'être mieux utilisé dans la compagnie. C'est ça. Puis il a travaillé surtout pour la New Japan Pro Wrestling. Là. La All Japan. La All Japan, parce que dans le fond, faut pas faire la différence. Il y a la AJPW puis il y a la NJPW. Oui, c'est ça. Puis dans le fond, c'est ça, il a fait un retour à la WWF sans défaite de 88 à 90. Puis là, c'est là qu'il a fait son espèce de grand retour, tu sais, à WrestleFest, où il a effectué le tombé sur Terry Taylor. Enig a fait son retour télévisé dans le ring le 11 septembre, dans l'épisode de All American Wrestling, en battant le jobber Ron Ruvichod. Le 1er octobre, dans l'émission de Superstars, des vignettes, c'est-à-dire des vignettes promotionnelles, tu sais. Et c'était tellement hot les vignettes qu'il faisait, honnêtement. Je vais faire une parenthèse là-dessus, puis on pourra élaborer, mais honnêtement, c'était tellement genre le personnage de Mr. Perfect, il était juste savoureux. Quand il lance le ballon de football, il court, puis là, il rattrape sa passe. Là, c'est hot, hein. Il lance un 300 verges, puis il ramasse le 300 verges, genre, mettons. Là. Il fait toujours des abos, il vide une table de billard. C'est vraiment débile. C'était vraiment hot. Il fait toujours un trou d'un coup, quelque chose. C'était vraiment cool, honnêtement. C'était la belle époque. Et puis, ces clips, dans le fond... La perfection. La perfection, c'est ça. Et Nick a fait ses débuts dans un pay-per-view à Survivor Series 1988, puis il a participé dans un match Elimination par équipe, 5 contre 5,
en tant que membre de l'équipe de, du co-capitaine Andre the Giant avec Rick Rude, le défunt Dino Bravo, qui était le co-capitaine, ouais. Et Harley Race contre l'équipe des co-américains. Dans le fond, le co-capitaine, ben, c'est Jim Duggan. Il y avait Jim Duggan. Jake Roberts qui était co-capitaine. Ken Patera, Tito Santana, Scott Casey. Perfect et Bravo, ils ont été les seuls survivors, les deux seuls survivants du combat. Et puis... Oui, il est resté invaincu à la télévision pendant plus d'un an en battant des mid-carders comme Coco Beware. Ben, je dirais plutôt low-carder, mais en tout cas. Ouais, ouais. Coco Beware, Blue Blazer, notamment, c'est ça, Blue Blazer, WrestleMania 5, Owen Hart, là, yes. Qui est malheureusement décédé dans ce personnage-là. On ne rentrera pas dans les détails, mais disons qu'il y a une vidéo qui en parle un petit peu. Yes. Red Roosters, Jimmy Snuka, Tito Santana et Bretard tout au long de l'année 89. Ça serait cool à un moment donné de faire une émission sur la Hart Foundation. Ouais, ça, oh, c'est sûr, c'est sûr. Ça n'est pas un jeu. Et puis, ben, dans le fond, le 7 octobre, lors de l'épisode de WWF Superstar, Perfect a commencé à apparaître avec The Genius, notre ami qui est malheureusement décédé récemment, Danny Poffo. Le jeune frère de Macho Man, puis comme manager, puis c'est un poète dans le fond arrogant qui a eu une petite rivalité avec Hulk Hogan que je vous invite honnêtement à aller visionner notre... Il nous parle depuis l'équateur dans son véhicule. Yeah, c'était vraiment, honnêtement, vraiment cool. C'est dommage que monsieur nous a quittés. Bref, la rivalité c'est en... intensifié lorsque le Genius il a battu Hogan par décompte à l'extérieur avec l'aide d'Enigme, tu sais. Puis le 31 octobre, la journée de l'Halloween, lors du Saturday Night Main Event, et que le duo a volé la ceinture de Hogan. Hey, c'était vraiment cool, il l'a détruite dans le backstage. Ça, c'est Hulkamania Forever. Yes, Perfect et Hogan ont lutté sur les événements live où il a perdu contre Hogan, mais ils n'ont pas couronné à la télévision. Concouru à la télévision avant le 5 janvier 1990, lorsque Enig a reçu sa première, dans le fond, opportunité pour le championnat de la WWF contre Hogan lors de la retransmission de télévision en direct sur le réseau MSG, que c'était son premier match télévisé contre Hogan qu'il a gagné par disqualification. Au Royal Rumble 90, Perfect a attaqué l'adversaire de Genius, Brutus Beefcake, après leur match, qui a déclenché une feud entre les deux. Plus tard dans la même nuit, Perfect a participé au Rumble, bien entendu, et est entré à la 30e position. Il a éliminé Rick Rude avant de se faire éliminer par Hogan et que ce dernier remporte le Rumble. La séquence d'invincibilité de Mr. Perfect a pris fin lorsqu'il a subi sa première défaite à la télévision contre le champion intercontinental Ultimate Warrior lors de l'émission spéciale MSG Network le 19 mars. Sa première défaite en solo, en pay-per-view, était contre Brutus Beefcake lors de WrestleMania 6 au Skydome de Toronto. Yes. Hogan et Perfect ont combattu dans un match le 23 avril lors du Saturday Night's Main Event dans lequel Hogan a effectué le tombé sur Perfect, bien entendu. Yes. À la suite de sa défaite contre Hogan, Perfect a secrètement mis fin à son association avec le Genius Danny Poffo. Et puis ensuite de ça, dans le fond, il y a eu le fameux règne intercontinental, dans le fond. Un des meilleurs règnes. Yes. Qui s'est fait de 1990 à 91. Donc, je commence comme suit. En mai 1990, Perfect participe dans le fond à un tournoi pour l'Intercontinental Heavyweight Championship. Après que l'ancien champion Ultimate Warrior ait abandonné le titre après avoir remporté le championnat du monde à WrestleMania contre Hulk Hogan, tu sais. Title for title, il l'a mis vacant. Ouais. Qui a été champion. Ouais. Et puis, ben, Griff, il aurait pu garder les deux, honnêtement. Ouais, ben, lui. Pour moi qui décide. Hein? Non, je le sais, ben, mais tu sais. Mr. Perfect a remporté le tournoi pour le titre vacant en battant Jimmy Snuka en quart de finale le 5 mai dans l'épisode de Superstar et l'ancien double champion intercontinental Tito Santana, qu'on a un petit segment de lui d'ailleurs sur une émission spéciale. Il fait cette vidéo. Le 19 mai lors de l'épisode de Superstar. Après sa victoire au titre, Perfect a embauché Bobby Heenan comme manager. Perfect et a réussi à défendre son titre contre Santana le 28 juillet lors du Saturday Night's Main Event. Au départ, Henning devait défendre son titre contre Brutus Beefcake à SummerSlam 90 suite à une défaite contre Beefcake à WrestleMania, mais ce dernier a subi une blessure et le Texas Tornado, Kerry Von Erich, a remplacé Beefcake et a défié Henning à SummerSlam 90. Puis c'est ça, il l'a battu. Le 11 août, à l'épisode de WWE Superstar, c'est ça, il l'a défié. C'est ça. Puis, c'est ça, puis Kerry Von Erich, Texas Tornado, l'a battu à SummerSlam 90. C'est ça.
Puis quelques mois plus tard, Enig a été choisi comme capitaine pour être avec les Demolition en tant que Team Perfect. Ouais. C'était vraiment hot, le Perfect ouais, Team. Vraiment. Contre The Warriors, The Ultimate Warriors, Texas Tornado, Legion of Doom. C'était, ça, honnêtement, là, en tout puis moi, là, c'était un des meilleurs 90, Survivor Series qu'ils ont fait de tous les temps. C'est les Soul Survivor qui se pognaient en finale, là, les Hills contre les Faces. Ah, ouais, c'était... Ils devraient regarder, à refaire ça, c'était... Ah, c'était vraiment cool, tu sais. Les survivants, puis tout ça, là, moi, j'adorais ça. Et puis, ben, il a défié sans succès Texas Tornado dans un match revanche pour le championnat intercontinental le 24 novembre au MSG Network avant de regagner le titre en battant Texas Tornado le 15 décembre pour l'épisode du Superstar avec l'intervention de Ted DiBiase. Perfect a défendu le titre contre Texas Tornado lors d'un match revanche le 2 février 1991 dans l'épisode de Superstar où il a conservé le titre en perdant par décompte à l'extérieur. Là, tu te rappelles, WrestleMania 7, le grand événement de l'année en 91, WrestleMania 7 au Los Angeles Coliseum, ce qui a servi des Jeux Olympiques de Los Angeles en 94. Oui, t'as raison. Perfect a eu une rivalité avec Big Boss Man, ce qui lui a valu une défense de titre contre lui à WrestleMania 7, comme j'ai mentionné, où il a conservé le titre en perdant par disqualification, parce que là, Big Boss Man, il est attaqué par Aku puis Barbarian, mais là, à la fin, André Le Géant, il arrive, puis je te dis qu'il te les ramasse en bâton. Ah, oh, ouais, c'est ça. Ouais, c'était très bien. Le mois suivant, dans le fond, Perfect il a remporté la bataille royale du 27 avril, qui se tenait dans le fond durant l'événement télévisé du Saturday Night Main Event, ouais. En éliminant le grand Greg Valentine. Et puis, ce qui a conduit à un match entre les deux pour le titre de Perfect le 14 mai dans l'émission Primetime Wrestling, où Perfect a conservé le titre par disqualification. Ensuite de ça, dans le fond, il y a eu le 15 juin dans l'épisode de Superstar, est-ce que tu vas en parler, mon ami? Oui, on va en parler vaguement, mais on va en parler quand même. Yes. Bobby Heenan s'est retiré en tant que manager. Il a eu un rôle de commentateur. Il a présenté de coach comme le nouveau manager de Henning. Yes. Ça ressemblait un peu à Bill Alfonso à ECW. C'est pas le même gars, mais ça y ressemble avec son sifflet. Yes. Henning a commencé une rivalité avec Davey Boy Smith, mais a subi une blessure au dos à la fin de juin 91, ce qui a malheureusement avorté cette feud. Bret Hart a été annoncé comme son prochain challenger le 13 juillet dans l'épisode de Superstar. Et entre-temps, Henning a été exclu de tous les house shows, la plupart du temps remplacé par Typhoon. À la télévision, il a lutté contre quelques jobbers, mais pour éviter de se fatiguer avec le dos, avec son finish Perfect Plex, il a adopté la gimmick de jeter son adversaire hors du ring avec des goûts et de les vaincre par décompte. façon polie d'huile de garder son titre. Perfect a perdu le titre contre Bret Hart à SummerSlam 91 dans un match qui était considéré comme le deuxième meilleur match de la nuit en 1991 dans le Pro Wrestling Illustrated. Ah oui, nice, c'est hot. Ben, je me souviens là, que c'était fabuleux. C'est ça, il avait perdu. Tu sais, il arrive de faire la prise en quête, il l'envoie en sharpshooter. Oh, ouais, ah, c'était trop vraiment hot. Là. Et puis, Enig a passé l'année suivante à soigner sa blessure, sa fameuse blessure au dos. Ouais, c'est ça, là, il était devenu manager de Ric Flair. Exact, il est revenu à la télévision le 23 novembre dans l'épisode de Superstar où il est devenu manager de Ric Flair. Fraîchement arrivé à WCW. Ouais, parce qu'il s'était pogné avec Jim Hurd. Ça marchait pas. La chimie était plus bonne. Là, non, c'est ça. Puis la semaine suivante, au Superstar, Perfect est devenu un commentateur de l'émission pour l'année complète, agissant comme annonceur arrogant approprié pour les pay-per-view, dans le fond, avec notre ami Vince McMahon. Ouais, le play-by-play, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Pendant cette période, Perfect a aidé Flair à gagner des matchs et les a dirigés vers deux règnes de champion du monde. Des poids lourds en 1992. Ouais, la fois au Royal Rumble, puis une autre fois plus tard dans l'année, quand il perd à WrestleMania 8, mais il la regagne un petit peu plus tard dans l'année contre Macho Man. C'est ça. Ouais, je m'en souviens de ça. Il fait la prise en 4, puis l'arbitre compte deux, parce que Macho Man fait comme s'évanouir. Et puis, dans le fond, à l'automne 1992, Perfect et Flair y étaient au milieu d'une rivalité avec Randy Macho Man Savage, puis résultant un match par équipe à Survivor Series, où Flair et Razor Ramon affrontaient Savage et Ultimate Warrior. C'était un assez bon match. Hein. Puis cependant, Warrior a été congédié de la WWF quelques semaines avant l'événement pour dopage. Parce qu'on a parlé dans l'émission Scandale de McMahon. Mais fait que ce combat-là, si je me souviens bien, il n'a pas eu lieu. Ouais, c'est... Ça aurait été un assez bon match. C'est ça, c'était supposé avoir lieu. Mais ça aurait été un assez bon match. Bref, le 16 novembre, à l'épisode de Primetime Wrestling, Savage a demandé à Perfect d'être son partenaire. Est-ce que tu veux en parler un peu plus? Oui, bien sûr. Après avoir au départ trouvé l'offre de Savage idiote, Perfect a été influencé par les cajoleries de Savage et par les commentaires prétentieux de Bobby Heenan et par le fait de toujours se faire dire quoi faire, ce qui conduirait à Perfect de devenir face pour la première fois à la WWE
en jetant de l'eau sur Heenan et en acceptant l'offre de Savage de revenir sur le ring et de devenir son partenaire à Survivor Series 1992, mesdames et messieurs. Et puis, Heenan a fait son retour sur le ring à Survivor Series 1992, dans le fond. C'est ça? Ouais, c'est ça. Et puis, où Heenan et Savage ont remporté leur combat. Perfect a commencé une grosse rivalité avec Ric Flair. Il a fait son retour à la compétition en simple le 2 janvier 1993 à l'épisode de Superstar où il a battu The Berserker. Puis, il faut mentionner qu'à Survivor Series, ils ont gagné, mais c'était contre Ric Flair et Razor Ramon. Ouais, c'est ça. Il faut le mentionner. Là. Et puis, Enig a participé au match de Royal Rumble 1993 pour déterminer le number one contender pour le championnat WWF à WrestleMania. C'est Palace. Puis, c'est Yokozuna qui a gagné. Ouais. Yes. Puis, il a éliminé Flair, Skinner, Jerry Lawler, Ted DiBiase, Coco Beware, puis... Ah, ben il a été éliminé par DiBiase. Ouais, Coco Beware, puis par... c'est ça. Il a été trop sur lui. Tout à fait. Donc, voilà. Enig a battu Ric Flair le soir d'après à Monday Night Raw dans un match où le perdant serait forcé de quitter la fédération. En conséquent, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que Flair il a quitté la WWF pour retourner à la WCW. Ouais. Puis il a continué à aller... une rivalité dans le fond avec le narcissist Lex Luger qui a insulté Mr. Perfect pendant ses promos. Luger a gagné l'affrontement à WrestleMania 9, bien que les deux pieds de Perfect touchaient les cordes. Hein, tu te souviens, ça, hein? Ça explique pourquoi que Mr. Perfect il a pris sa vengeance à WrestleMania 10 quand il a arbitré contre Yokozuna. Là. À un moment donné, il était sur le bord de faire le pin, il a décidé de ne pas compter puis il a disqualifié Luger. Il voulait se venger de cette humiliation-là. De ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est bon ça. Par la suite, Perfect a poursuivi Luger dans les coulisses où il a été attaqué par derrière par Shawn Michaels. En conséquence, Perfect a commencé une rivalité avec Michaels. Pendant ce temps, Enig s'est qualifié pour le tout premier tournoi télévisé King of the Ring en battant Doink the Clown au pay-per-view King of the Ring 1993. Perfect a vaincu Mr. Huge dans les quarts de finale, mais a perdu à l'éventuel vainqueur Bret the Hitman Hart dans les demi-finales. Et hey, puis, on parle de King of the Ring. Est-ce que tu as entendu parler? Ils vont les refaire, les King of the Ring. Ah, ben ouais, il y a des rumeurs là-dessus. Là, ouais, mais... ouais, ça risque d'être fort, fort intéressant. Fait que suivez ça, les amis. Ça va être très agréable s'ils peuvent remettre la main là-dessus. Ouais, c'est parce que ouais. Là, on a parlé de pas de problème. Ça met ici. C'est ça. Perfect était sur le point d'entrer dans une autre rivalité avec Luger yes. À la suite de WrestleMania 10, là, la crosse qu'il a faite. Yes. Au cours de laquelle il a expliqué qu'il avait agi ainsi à cause de la victoire illégale de Luger à WrestleMania 9. Cependant, les plans ont été abandonnés après que les problèmes de dos d'Henning soient revenus. Il a quitté la WWF après 1994. Et puis, Henning a pris une année sabbatique pour soigner son dos jusqu'à ce qu'il revienne dans l'entreprise comme commentateur d'un pay-per-view dans le Survivor Series 1995. Exactement. Le week-end suivant, Jerry Lawler a annoncé Perfect comme son remplaçant au WWF Superstars. Il s'agissait de son deuxième passage en tant qu'annonceur, commentateur sur le spectacle avec Vince McMahon. Cette fois, également avec Jim Ross, ajouté en tant qu'analyste. Puis, plus tard, en 1996, mon Ben, McMahon a quitté et Ross est passé, Jim Ross, dans le fond, il est passé au rôle de play-by-play. Perfect a également fait des commentateurs en couleur notamment au Royal Rumble, SummerSlam, in Europe. House 10, c'est celui qui était Mind Game. Ouais. Perfect a également été spécial Outsider Enforcer pour le match de championnat de la WWF entre Shawn Michaels et British Bulldog au pay-per-view King of the Ring de 1996. OK, là, de 1997 à 2000, il a fait un passage à la WCW. Oui, c'est vrai. Parce que là, on ne peut pas tout nommer parce que sinon on va être encore ici demain matin. Fait que, dans le fond, tu peux y aller, mon ami. Oui, c'est ça. Four Horsemen et NWO 97 à 99. Enig a signé un contrat avec la rivale WCW à la mi-97. Il est revenu en tant que catcheur sur son vrai nom, car Mr. Perfect, c'est les droits d'auteur, est à WWE. Exact. Il a fait ses débuts à WCW en tant que babyface le 30 juin dans l'épisode Monday Night Raw, lors d'une bagarre qui a éclaté après le main event. Son premier match officiel dans la fédération où il y a eu le pay-per-view de juillet, dans le fond, ça s'appelait Bash at the Beach. Dans le fond, le pay-per-view de juillet, où il lutte en tant que partenaire mystère de Diamond Dallas Page contre les membres de la NWO, Randy Savage et Scott Hall. Enig finit par se retourner contre son partenaire DDP, puis ça l'a coûté la victoire à DDP. Ouais.
En conséquence, dans le fond, Enig a commencé à rivaliser avec Paige. Ils ont eu une feud, dans le fond, dans un match au pay-per-view de The Road Wild. Enig a continué à utiliser le Fisherman Suplex comme prise de finition. Parce que ça, je pense que c'était pas trademarké par la WWF. Je suis pas certain. Ouais, mais c'était la Enig Plex. Ouais, c'est ça. T'sais, il fallait qu'il change un nom. Perfect, mais pour Enig, là. Peu de temps après ses débuts, il est devenu l'un des favoris du Four Horsemen et du New World Order, car les deux écuries ont voulu l'avoir parmi eux. OK. Il a finalement décidé de rejoindre les Four Horsemen, prenant la place de Arn Anderson, qui prenait sa retraite à cause d'une blessure au cou. C'est ça, il a annoncé à Nitro là, qu'il sortirait, maintenant. Enig a répondu affirmativement à l'invitation d'Anderson en disant « Ce serait un privilège. » Le plaidoyer d'Anderson, selon lequel Enig prend sa place, a fait objet de la parodie de la semaine d'après des Four Horsemen par la NWO, qui a conduit au match War Games. Tu sais, les fameuses deux cages. Oui, oui, oui. À Fall Brawl, dans le fond, Enig aurait été attaqué dans les coulisses par la NWO avant le match War Games et serait venu au bord du ring au milieu du match avec son bras en écharpe. Le tout s'est avéré être une ruse alors que Enig a trahi les Four Horsemen et a rejoint la NWO noire, dans le fond, là. La NWO originale. Mais, et puis, à l'automne 1997, est-ce que tu veux... Oui, bien sûr. Ben oui, ça c'est sûr, il faut en parler. Enig a été rejoint par son grand ami Ravishing Rick Rude dans la NWO. En 1998, Enig et Rude ont été mis en rivalité avec Bret Hart et ses beaux-frères, les British Bulldog et Jim Neidhart, au cours de laquelle les deux équipes se sont affrontées dans plusieurs combats tout au long de la première moitié de 1998. Enig a perdu contre Hart à Uncensored et a vaincu Bulldog à Spring Stampede. Puis dans le fond, là, il y a eu une blessure au genou en 1998, puis il a comme été mis un peu à l'écart. Là, tu sais, on va y aller quand même rapidement. Puis ensuite de ça, il avait perdu un combat aussi contre Conan. Puis à l'automne 1998, Enig a commencé à rivaliser avec Dean Malenko pour sa trahison des Four Horsemen de 1997, ce qui a abouti à un match entre les deux lors du pay-per-view Fall Brawl de décembre que Enig a perdu. Après sa défaite face à Dean Malenko, Enig a été retiré de la télévision pour soigner sa blessure au genou. Il revient à la WCW lors de Starrcade en décembre pour aider Rick Bischoff à battre Ric Flair. Enig s'est associé à Barry Windham pour affronter Flair et son fils David dans un match par équipe à Sold Out 99 que l'équipe des Flair a remporté. Ben, ça devait être malade. Je ne me souviens pas d'avoir vu ce combat-là, mais tu imagines Kurt Enig contre Dean Malenko. Ah, oh, ça, c'est... Ça devait être comme... Faut absolument que je me tape. C'est 10 sur 10 facile. Ah, ça. C'est sûr, là. Tu peux continuer, hein? Oui, en 99, les deux factions NWO ont eu une coalition où Enig a été placé dans la NWB Team, un groupe composé de lutteurs de milieu de carte de la NWO. Cependant, il a été expulsé du groupe après s'être opposé au dirigeant lors de l'épisode de Nitro, le 25 janvier. Ensuite de ça, il y a eu une période un peu plus creuse. De. Ouais, ben là, la West Texas Redneck avec Barry Windham. Exact. Dans le fond, ben c'est ça, il était en équipe avec Barry Windham, puis Enig et Windham ont détenu les titres pendant les titres par équipe, dans le fond, de la WCW pendant... Excusez-moi, un mois avant de perdre contre Benoit et Malenko dans un Lumberjack match. Le mois suivant, Uncensored, dans le fond, après qu'Anderson ait attaqué Enig, parce qu'Anderson est revenu, tu sais, il avait annoncé qu'il prenait sa retraite, mais il est revenu à WCW. Enig a affronté Hulk Hogan, mais a perdu lors du main event de l'épisode de Thunder du 18 mars, après qu'Horace ait sauvé Hogan d'un Enigplex. OK, les Rednecks, ben, je veux dire, Barry Windham et Kurt Enig, ils ont fait leur dernière apparition au pay-per-view Road Wild le 14 août où Enig et Barry et Duncan ont perdu contre Revolution, l'équipe composée de Perry Saturn, Shane Douglas et Dean Malenko dans un match 3 contre Wild. Yes. Puis après ça, dans le fond, après la dissolution des Rednecks, Enig a commencé une histoire dans laquelle il a déclaré qu'il suivait les ordres des pouvoirs en place, selon lequel il perdait un match par tombée. Il devrait se retirer complètement de la lutte professionnelle. Fait que dans le fond, il a participé à un tournoi pour couronner le nouveau champion du monde des poids lourds. Puis dans le fond, il a gagné contre Disco Inferno au premier tour, mais s'est incliné contre Jeff Jarrett, dans le fond, lors du deuxième tour. Deuxième ronde. Il a été obligé de prendre sa retraite après avoir perdu un match de retraite contre Buff Bagwell au pay-per-view Mayhem. Il est cependant réintégré par les pouvoirs en place. Un mois plus tard, il s'associe à l'équipe Creative Control, c'est les Harris Brothers qui s'est arrosé les cheveux. Ouais, je pense que oui. Ouais, c'est ça. Avec qui il bat Harlem Heat et Midnight à Starrcade 99.
Il est resté à la télévision de WCW. Son dernier match avec la compagnie était face à Chris Harris, le VME dans l'épisode du World Wild que Hennig a remporté. Hennig a quitté la WCW après la fin de son contrat l'été 2000. Dans le fond, c'est comme s'il était resté genre 3-4 ans. Pas plus que ça. Ensuite, ben, tu sais, il y a eu des petites apparitions par-ci, par-là. Là, tu sais, il y a eu, dans le fond, je ne sais pas si tu te souviens, il y avait une fédération qui s'appelait la XWF. Ouais, fédération éphémère. Là. Excitement Wrestling Federation. Tu sais, c'était comme un projet pilote. Ils ont fait quelque chose. C'était entre l'Invasion puis entre la création de TNA, je te dirais. Là. Ça a duré six mois. Là. Ouais, c'est ça. Puis Hennig a lutté quelques combats pour cette fédération-là. La promotion n'a pas duré longtemps, comme tu dis, dans le fond. Puis, tu sais, c'était tous des gros vétérans qui étaient là. Je me souviens, il y avait Vampiro, il y avait Hogan, il y avait les Nasty Boys. Marty Jannetty. Il y avait les Road Warriors aussi. Il y a un match à un moment donné, c'est AJ Styles contre Kid Cash, c'était excellent. Oh, pour les Cruiserweight XWF. Ouais, c'est comme une transition qu'il y a eu entre les deux. C'est dommage, ça n'allait pas rester. Je trouvais que ça. Il y avait Loki aussi, on le voyait de temps en temps. Oui, il a fait une bâton royale par Cruiserweight. Cash aussi, puis dans le fond, veux-tu nous parler de son arrivée à la WWF, WWE? Oui, il a fait son deuxième retour à WWF au Royal Rumble 2002. Là, il est rentré en tant que l'un des 30 participants, il est à nouveau présenté comme Mr. Perfect. Yes. Ben, c'est ça, bien que son vrai nom soit largement reconnu. Il est entré à la 25e position. Il a été l'un des trois derniers concurrents avant d'être éliminé par l'éventuel vainqueur, Triple H. Il a fait bonne impression, par exemple, parce qu'il a porté le Perfect Plex à Kurt Angle. C'est quand même bien. Oui, vraiment. Sa performance ainsi que la réaction positive de la foule à Atlanta, c'était malade. Moi, je me souviens, man, c'était malade quand on a vu... Quand on l'avait vu passer le rideau, on buzzait. Oh. Je me souviens, là, on était jeunes puis on criait dans le salon. Perfect a apparu la nuit suivante à Raw dans un match contre Volvinus qui s'est terminé en no contest. Man, c'est le king du no contest, lui, Mr. Perfect. Ben, façon de heal de gagner, si on veut. Il a ensuite eu des courtes rivalités avec Stone Cold Steve Austin, Rob Van Damme, avant de former une équipe avec Sean Stasiak. Lors d'un hors show en mars et en avril, ainsi qu'une équipe à la télévision avec le défunt Big Boss Man, son ancien rival de WrestleMania 7. Hennig a été drafté à Raw lors du tout premier Brand Extension de la WWE. Le dernier match télévisé de Hennig à WWE a eu lieu le 6 mai lors de l'édition Heat où il a battu Tommy Dreamer. Il a également participé à un dark match à Insurrection le 4 mai en battant Goldust. Puis là, on ne rentre pas dans les détails, mais il a été congédié parce qu'aux affaires du Plain Ride from Hell, c'était comme pogné avec Brock Lesnar parce qu'il a joué un mauvais tour. Mais ça, on a une émission qui parle de ça. Ouais, fait que vous irez le voir, honnêtement, c'est super intéressant. Ouais. On parle de plein de belles choses. Il a fait une petite apparition, dans le fond, à la TNA 2002-2003, ou après avoir été libéré par la WWE. Il a signé avec Total Non-Stop Action Wrestling, où il a été impliqué dans une feud, notamment avec notre ami Jeff Jarrett et Ron Killings. Ouais, il a lutté une couple de fois, là, même. Est-ce que tu veux nous parler de son décès? Oui, Kurt Hennig est malheureusement décédé le 10 février 2003. Il a été retrouvé sans vie dans une chambre d'hôtel de Brandon, en Floride. Il avait seulement 44 ans. Le bureau du médecin légiste du comté Hillsborough a déclaré que Hennig était mort à cause d'une surdose de drogue. Il a été déclaré que les stéroïdes et les analgésiques ont également entraîné la mort de Kurt Hennig. Il est enterré au cimetière de Gethsemane à New Hope, Minnesota. Yes. Excusez pour la prononciation. Non, il n'y a pas de problème. Puis, dans le fond, Kurt Hennig, il a été intronisé au temple de la renommée de la WWE à titre posthume par Wade Boggs le 31 mars 2007 lors du week-end de WrestleMania à Détroit. Et ouais. Puis, c'est sa famille, dont son épouse, qui l'a représenté. Puis, lors du pay-per-view Payback, le 16 juin 2013, qui a eu lieu à la fête des pères, son fils, Curtis Axel, il a remporté le titre intercontinental dans un triple threat face à The Miz et Wade Barrett, qui était à l'époque champion intercontinental, si je ne m'abuse, rendant hommage à son regretté père et devenant le premier et le seul duo père-fils à remporter ce titre à la WWE. D'ailleurs, Curtis Axel, on n'entend plus bien parler. Hein. Ouais, ben là, il n'est plus à WWE de mémoire, il n'est plus là. Non. Ben, s'il est encore là, il est au main event, genre. Là. Non, je pense qu'honnêtement, il n'est plus là, puis. Ça serait bon, on pourrait le contacter, puis éventuellement, on regardera ça. Alors, ben, j'espère que vous avez apprécié un peu de temps avec nous sur l'émission spéciale qui s'adressait à Mr.
Perfect, alias Kurt Hennig. Donc, merci mon Ben. Ça fait plaisir. Si vous avez adoré l'émission, n'hésitez pas de faire un thumbs up. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne aussi. Si vous avez des suggestions de sujets ou d'invités que vous voudrez peut-être avoir, n'hésitez pas de le marquer dans les commentaires. Alors, on va se retrouver très bientôt pour soit une entrevue ou une émission spéciale. Alors, soyez des nôtres. L'action ne manquera pas. Au revoir. I'm Hulk Hogan, the greatest ruffler of all time. We're not worthy! We're not worthy! A spaceman, huh? No, actually, I'm a plumber. New World Order. Honestly, I can't go anywhere without getting a boner. Again. How you doing? I live my life. Woo! The Rock says, "Sweet baby Jesus in the office."